Depuis ce putain de vendredi 13, je suis pas superstitieux, mais je suis super triste. Ce combat des loyal rockers versus terroristes va laisser dans nos cœurs la poudre, sur nos rétines la foudre, nos bouches un goût amer, dans nos oreilles un coup de tonnerre. Salissant le nom d'un dieu qui lui-même, s'il existe, doit pleurer avec nous. On nous a mis à terre, oui, mais pas à genoux. Face à cet acte innommable, on peut rester bouche bée, mais ne nous taisons pas. Sans mots ne veut pas dire sans voix. Je me souviens quand j'étais enfant, naïf et insouciant. Ce soir, je me souviens quand je pensais encore qu'on pouvait sauver le monde en fabriquant une formidable arme anti-con équipée d'un canon simplement recourbé à 180 degrés. Comme ils veulent qu'on ait peur, ne laissons pas nos cœurs la propager comme un virus. Comme ils veulent qu'on se haïsse, alors aimons-nous plus. Ne baissons pas le son, ne laissons pas leurs fantômes mélophobes nous hanter. Continuons de chanter. Ah.